Et bonjour à vous! Alors là, on se retrouve sur un rucher d'élevage que je ne pense pas que je vous ai déjà filmé. J'ai juste 4 ou 5 trucs à contrôler là sur les nucléis, puis après il faut que je passe à mettre des essaims en ruchette. Donc, je vais regarder ça. Je lance l'intro et je vous retrouve. Alors, la 5, oui, c'est bon. Contrôler, parce qu'elle avait toujours nourrisseur, ça n'était pas venu se servir. Ouais, ça va. Elles ont rempli leur... Elles ont rempli, hop, juste. Voilà. C'est quand même plus facile. Donc c'est bon, hein. Elles ont pris le sirop, elles ont laissé de la place, je vois, c'est marrant, ça, elles ont laissé de la place pour les cellules, pour la ponte de la reine, alors qu'il n'y a rien dedans, là c'est orphelin, hein. Là c'est un cadre avec du couvain. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parfait. J'enlève le nourrisseur. Ça sert à rien d'y laisser. Maintenant, je vais aller à la 12. Hop, la 12. La 12 est juste ici. Alors, c'est tout est dans le même cas de figure, hein. C'est fait de la même façon, hein. Hop, je vais me mettre à l'envers. Vous puissiez voir peut-être un petit peu mieux. Là, je devrais avoir de la preuve. Ouais. Oui, là c'est les protéines. C'est Calmos. Celle-là, normalement, il a été mis une cellule royale. Voilà. Bon, elle est bien désoperculée correctement. Voilà, je vais vous montrer là. Je regarde ici s'il n'y a rien d'anormal. Non. Tout est bon. Je vois des faux bourdons à l'intérieur aussi. Donc, allez, celle-ci, c'est bon. Alors, je vais vous montrer. Là, vous avez à l'écran, là. Hein. Vous voyez comment elle a désoperculé. Donc là, c'est bien la reine qui a désoperculé, qui est bien sortie, d'accord, de sa cellule. Moi, je continue et puis je vais vous reprendre juste après pour vous montrer un petit peu les floraisons. Je regarde. Et il faut que je note au fur et à mesure, parce qu'après, ça ne sert à rien, sinon... Alors, ici pour vous montrer, voilà, vous voyez la désoperculation, elle a bien été faite par la reine et après les abeilles sont venues manger le reste de cellules royales.
Donc voilà, ici j'en avais pas plus à faire, hein. J'en avais que 5. Oui, ça n'est pas beaucoup. Hein. Alors les 5, les rennes sont bien nées sur les 5. Alors après, j'ai pas cherché, j'ai pas trop le temps à ça, et c'est pas, pour moi, ça n'a pas une grande utilité. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai en bordure d'un côté, ce que j'ai en bordure de l'autre côté sur ce rucher. Donc voilà ce que l'on trouve, hop, d'un côté. Donc ici, c'est de la luzerne. Hein. C'est en fleur. Donc cette parcelle fait 3 ou 4 hectares et j'ai la même derrière, juste derrière cette haie. Alors ici c'est une haie, vous voyez? Alors il y a des pruniers, il y a des ronciers. Donc là actuellement, vous pouvez le voir, hein, les ronciers sont en fleurs. Donc malheureusement, on a encore du vent. Hein. Il va caler cet après-midi. Là, on a eu encore quelques jours avec du Mistral. Comme d'hab, les températures, ça va, mais ce n'est pas des températures très hautes. Hein. Mais bon, il fait chaud. Hein. Et tout ça fait que c'est toujours pas bon pour les fécondations, pour tous ceux qui ont la vie des abeilles. Alors concernant les floraisons, comme de partout, les floraisons ne sont pas bonnes. Hein. Les quantités sont hyper hyper limité. Ici sur ce rucher qui est moi le normalement le meilleur on va dire en prod, hein, parce qu'il y a des fruitiers, il y a beaucoup de il y a beaucoup de luzerne, il y a de la lavande, il y a des ronciers, il y a beaucoup de choses qui font qu'elle a des il y a du coquelicot pour le pollen. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'elle a de la ressource, du pissenlit en sortie d'hiver. Donc toute la saison, on met le plein été dans le sud où il n'y a plus rien. Hein. On va voir cette année. Et cette année, exceptionnellement, on a beaucoup de floraisons. Alors, si vous ne suivez pas ça précisément, que vous regardez autour de chez vous les floraisons, vous voyez des fleurs de partout. Moi ici, j'ai rarement vu autant de fleurs et même des fleurs que je ne voyais pas avant dans les champs. Hein. Les ronciers, c'est la première année qui donne autant visuellement. Mais quand vous regardez à l'intérieur des ruches, et quand je dis quand vous regardez à l'intérieur, c'est précisément avec les balances, vous vous rendez compte que les rentrées sont minimes. Et quand je dis minimes, c'est minime. D'accord? Pour un pire des hausses, là, avec ceux qui ont normalement en 4-5 jours, ça doit être, ouais, ça doit être fini. Un mois après, vous avez encore votre hausse. Hein, donc la lavande va arriver en floraison, mais tout va être mélangé là, hein, parce qu'il y a la luzerne, la lavande et les ronciers. Donc le gars qui va vendre son miel de lavande, ce n'est pas du miel de lavande. Il n'y a que lui qui va le croire. Hein. Mais ceux qui le mangeront, si vraiment ils sont habitués et qu'ils ont un palais de connaisseurs, se rendent compte que ce n'est pas du tout de la lavande. Alors j'espère que la lavande cette année va donner, parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité vers chez nous. Mais si c'est comme le reste, ça sera quand même un gros, gros, gros problème. Donc voilà pour faire le point. Tout ça pour vous dire, soyez quand même vigilants. Ne vous laissez pas leurrer. En regardant la végétation, soyez beau. Là, il faut être intrusif et aller voir dans les ruches ce qui se passe, voir si elles ont des réserves de partout dans les cadres, voir vraiment si elles sont bien nourries. Alors, chez nous, par exemple, le cyste, qui a donné énormément cette année, le pollen de cyste, déjà, il n'est pas très riche, mais cette année, il est vraiment très, très, très pauvre. Par contre, elles en ont rempli des cadres. Vous pouvez avoir 4 cadres de pollen, de cyste dans les ruches. Mais par contre, avec 4 cadres au niveau protéines, ça vaut un demi-cadre. Hein. Donc 4 cadres, on est obligé d'en retirer. Visuellement, on se dit c'est bien, il y a de la ressource, mais les ressources sont en plus pas qualitatives. Surtout, bon, je parle en protéines, hein, pas du tout sur le miel, hein, mais sur les protéines. Donc, tout ça pour vous dire, ayez bien l'œil avisé, regardez bien comment se développe votre couvain. Si vous n'avez pas de carence de protéines ou de miel dans vos ruches, il faut être quand même bien attentif à ce niveau-là. Malheureusement, cette année, on n'a pas le choix.
Donc, comme vous pouvez le voir, malgré toutes les ressources que j'ai autour là, du rucher, eh bien, j'ai des nuquilles. Alors, elles sont petites, c'est vrai, mais qu'il faut que j'aille nourrir. Bon, les nuquilles, on les nourrit souvent, mais bon, cette année, c'est quand même exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel, comment il faut les nourrir. Alors, de toute façon, si je nourris pas, elles auront jamais assez de réserve, assez de quantité, de qualité en réserve pour la reine. Ça y est, la reine, elle est élevée. Là, c'est là où elle vient naître et où elle va partir faire son vol de fécondation. Alors, c'est de l'autre côté de la haie que j'ai des ruches avec des ruches à mâles. Donc pour ça, c'est saturé, j'ai pas de soucis. Mais même avec beaucoup de mâles, il y a des reines qui rentrent qui ne sont pas fécondées. Et beaucoup, énormément. Et donc là, la qualité de bien les nourrir, c'est pour pas qu'on ait des développements de maladies. C'est aussi important de pouvoir vérifier la qualité de la ponte de la reine à nuquilles. C'est bon pour ici. Donc, vous voyez qu'aussi que chaque fois que je regarde les cellules royales pour voir si la reine elle est bien née, en même temps, ça me permet de contrôler aussi l'état des réserves, protéines, miel. D'accord? Je vérifie les deux et je rectifie de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas pour éviter, bien sûr, une sous-alimentation et des carences pour nos abeilles. La, 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 la. Comment vous avez fait, vous, pour rentrer là-dedans? Voilà. Allez. Alors, dans le polyester, polystyrène, pardon. C'est quand même mieux d'utiliser pour pas abîmer le bois. Tiens, elles ont bien collé. Oh là 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 là. Ça y est. Alors moi, j'ai pas regardé, je sais pas du tout ce qu'elles ont fait, pas fait. Voilà. Fait partir un petit peu tout le monde. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 36 sur 42. Voilà. Donc comme vous avez dit, hop, c'est noté, hein. La date du greffage
et la souche. Comme ça, je ne peux pas me tromper, moi, après. Hein, parce que là, ça va partir en couveuse. Et comme j'en ai un, celui-ci, 1, 2, 3, 4. Et donc 4 en tout à sortir en comptant celui-ci. Et j'ai greffé sur deux souches. Comme ça, je sais exactement après où j'en suis. Bon, j'enlève le maximum d'abeilles tranquillement. Il fait bon là. Ça, elles ne vont pas prendre froid les cellules. Hein. Voilà. Voilà, j'ai refermé ma ruchette. Hop, je l'amène de suite pour mettre dans la couveuse, faire un contrôle et mettre en couveuse ce qui est bon. Et ensuite, je vais m'occuper de ça. Et puis, je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.